Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être Diamond Painting. Aujourd'hui on va commencer le kit de la femme tigre de la boutique Kefan avec qui je fais un partenariat. Voilà, vous avez déjà vu une première vidéo où j'ai fait l'ouverture unboxing du kit que j'avais reçu. Voilà, Fifi vient vous dire bonjour au passage. Il y a Pacha qui fait le foufou derrière moi. Donc, je vous remettrai le lien ici de la vidéo unboxing. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va commencer le kit. Donc, je vais vous le remontrer. Enfin, je vais l'enrouler à l'envers parce que là. Voilà. Il faut qu'il se remette droit. Donc c'est celui-ci. Donc la femme tigre. Visage moitié femme, moitié tigre. Donc dans la première partie de cette vidéo. Que j'ai déjà filmé hier, voilà, mais que vous allez voir dans cette vidéo ici. J'ai préparé mes perles, donc c'est ce que vous allez voir dans la première partie de la vidéo. Donc, bon, j'ai bien toutes mes perles, il n'y a aucun souci. Donc, il m'a fallu une seule boîte, voilà. Donc, j'ai 28 couleurs. Alors, il n'y a pas de souci majeur. La seule chose... Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est pas vraiment un souci. C'est que, et là on va le voir sur un paquet, voyez, regardez, elles restent en l'air. Elles sont, genre, je sais pas si c'est sachet ou si c'est des perles, mais c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Regardez, vous voyez. Les perles sont électrostatiques. Voilà, donc il y a des sachets que je n'ai pas pu, que j'ai pas vidé entièrement parce que ça faisait trop, vous verrez dans la vidéo, des moments je vidais le sachet dans mes petites boîtes, puis j'en mettais plein par, sur la table, tellement, vous voyez, il y avait comme de l'électricité, c'était électrostatique, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, regardez là. Elles tiennent sur le sachet en l'air. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ce n'est pas un souci en lui-même. Hein. C'est juste une réflexion que je me suis faite. Mais bon. Sinon, je n'ai pas une mélange de couleurs. J'ai peut-être trouvé une ou deux perles d'une couleur différente dans un sachet ou deux. C'est tout. Bon, ça, ça arrive également hein, dans tous les kits, ça peut arriver. Donc, c'est pas un problème non plus. Non, il y a juste eu ça, là, ce problème d'électrostatique. Vous voyez, j'en retire un au hasard. Les perles restent en l'air. Donc, c'est pas grave. Donc, bon. Maintenant, je verrai au moment du collage comment ça se passe. En prenant les perles dans les petits pots, justement, je vais voir si c'est encore le même problème ou pas. Mais bon, rien de grave. Donc, on va le commencer aujourd'hui. Donc, moi, je commence, je suis droitière. Et je commence toujours mes kits. En haut à droite, voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça me permettra de ne pas faire du noir tout de suite. Les personnes qui me connaissent savent pourquoi hein, je dis ça. C'est vrai que le noir, c'est un peu terrible pour moi, c'est surtout pour ma vue. J'ai un peu plus de mal avec le noir, mais bon, là, il va y en avoir. Hein. Arrivé à un moment, je serais bien obligée ici. Mais bon, je mettrai un bon éclairage arrivé à ce moment-là. Donc, voilà.
Alors, on va attaquer, comme d'habitude, maintenant que vous avez l'habitude avec moi, je vais changer le téléphone de place. Hein. Je vais le mettre sur mon pied pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire sur le dessus du travail. Et donc, je ne sais pas, je vais faire un... je vais voir ce que je vais... Là, 1, 2, 3, je vais voir la surface que je vais faire aujourd'hui. Et puis je referai donc alors comme je vous avais dit dans la première vidéo, ça va me faire 1, 2, 3, 4. Donc je pense que je ferai peut-être 4 vidéos sur le suite, ce kit, normalement, on verra. Allez, on va l'attaquer. Donc là, je vais commencer ici en haut. De ce côté-là, hein. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, et je vous refais un petit débrief à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Thank you.
Allez, nous revoilà. Alors, bon, j'ai pas avancé beaucoup, beaucoup, hein, pour une première fois. Je voulais surtout voir la qualité de la colle et des perles pour débuter. Donc, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Voilà. Bon, niveau colle, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de tenir, hein. Pas de soucis, ça colle bien. Les perles sont bien. Bon, le petit souci que je disais tout à l'heure d'électricité là dans les perles. Bon, là pour l'instant je ne le retrouve pas en les collant, j'ai pas de problème. Donc ça va. Pour l'instant. Pas de soucis. Donc là, bon, ben, je vais continuer cette semaine pour avancer un peu plus. Hein. Là, il était très tard, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Je reprendrai demain, mais bon, je vous referai une vidéo dans la semaine. Comme je vous ai dit, je vous ferai, je pense, 4 vidéos sur ce kit. Je mets bien le plastique pour vous montrer l'évolution du kit. Bah, comme je vous fais d'habitude, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser pour ce soir et puis on se retrouve dans la semaine pour la suite de ce kit. Et on se retrouve aussi pour d'autres vidéos, comme d'habitude. Allez, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.